Salut les techniciens, c'est Hamslow, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Moi écoutez, ça va nickel, et aujourd'hui on va se retrouver pour un nouvel épisode de Skill en Force. Vous aimez superbement bien cette série, je sais pas si c'est français mais c'est pas grave, on est là tranquillement. Donc ouais, vous aimez vraiment cette série et puis ça me fait super plaisir. Donc je vais essayer de vous proposer 2 à 3 vidéos par semaine de Skill en Force. Histoire de, voilà, de vous faire plaisir hein, quand même, parce que je sais que la plupart d'entre vous, bah, vous aimez me voir jouer Skill. Et que vous aimez ce genre de vidéos. Donc voilà, je vais essayer de produire beaucoup plus de vidéos pendant les semaines qui vont arriver. J'espère que ça vous fera plaisir. Concernant les vidéos aussi de Skill en Force, condensées ou entiers. Donc la plupart vous m'aviez dit condensées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais. La plupart des vidéos, bah, ils vont être condensées. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vraiment il y a des matchs qui sont vraiment très très intéressants, où il y a beaucoup d'action, beaucoup de skills. Beaucoup d'action quoi, tout simplement, et bah en fait je vous mettrai les matchs entiers tout simplement. Donc les matchs condensés, ça sera seulement s'il y a pas d'action ou c'est un match ennuyant et qu'il n'y a pas beaucoup de buts quoi, tout simplement. Histoire de pas vous faire perdre votre temps avec des vidéos qui sont pas très intéressantes. Donc voilà, il faut quand même qu'il y ait un peu de piment dans les matchs, hein, qu'il y ait du skill, qu'il y ait du niveau quoi, tout simplement. Donc voilà. En tout cas, bah, on va continuer avec cette équipe de Serenity hein, qui nous a vraiment... aidé dans la précédente épisode, hein. Je vous rappelle qu'on a marqué un magnifique but avec Ribéry. Donc voilà, c'était super de marquer ce but. Ça fait vraiment plaisir. Et c'est bon qu'on va continuer tout simplement dans cette aventure à marquer le plus de buts comme ça. Donc voilà. Bah écoutez, c'est parti. On va essayer de rechercher un match. Et espérons que la Xbox bah, nous trouve un match quoi. Donc en tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Moi bon, écoutez, bah ça va nickel. Ouais, je suis vraiment content que vous appréciez cette série, et puis vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc ça fait super plaisir. Hein. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aimer la vidéo et à vous abonner tout de suite si ce n'est pas déjà fait. Hein. Si vous ne me connaissez pas, bah je fais des vidéos qui sont à peu près, pratiquement même, dans le skill. Hein. Donc voilà, je vous invite d'ailleurs à visiter ma chaîne et ma seconde chaîne, qui sont bien sûr dans la description. Hein. De toute façon, les liens qui sont dans la description, ils sont très importants. Hein. Si vous avez envie de checker la description, bah n'hésitez pas. Donc déjà, on va essayer de rechercher un adversaire, j'espère qu'il va pas mettre 15 ans, s'il te plaît, merci. Donc ouais, mes vidéos sont plus portées sur le skill, sur les gestes techniques. Donc voilà, je sais que ça fait plaisir à tout le monde, hein. À la base, moi je suis un technicien. Est-ce que vous aussi vous êtes un technicien? Répondez-moi ça dans les commentaires. Qui est un technicien ici? Qui est-ce qui est un technicien? Levez la main. Ok, alors 1, 2, 3, seulement 3? Bah putain, on est les 3 mousquetaires alors. Putain. Bon, certes, avec mes délires, hein, je pars. Bon, ceux qui me connaissent pas, hein, j'ai souvent des délires comme ça. Hein. Vous inquiétez pas, hein, je suis normal, hein, je suis de bonne humeur. Donc voilà, on compte une équipe espagnole avec José Mourinho en entraîneur. On a un Sergio Ramos en défenseur droit, donc on va essayer de passer par là. Hein. Espérons qu'on réalise de très bons gestes et de très bonnes actions. En tout cas, voilà, si le match il est condensé, bah, on se retrouve tout de suite maintenant, dans pas très longtemps. Hein. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Si vous voulez plus de vidéos de Skill en Force, bah, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à mettre des commentaires. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et c'est parti les amis, hein, c'est parti, on va essayer de proposer du beau jeu. Et puis j'espère vraiment que vous allez apprécier cet épisode et cette série. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Il a laissé tous les ralentis dès le début et c'était vraiment casse-cul. Et je ne sais pas ce qu'il fait et ça lag. Non, ça lag pas. Ok, bah je suis dit n'importe quoi. Allez, Ibra, il commence. Ok, d'accord, il commence plus. On passe sur les côtés comme d'habitude. Eh hey, franchement, est-ce qu'on va tomber contre un mec un jour qui va jouer autre part que sur les côtés? Franchement. S'il a failli marquer. Juan Mata qui résiste à Thiago Silva. C'est normal, hein. Allez hop, on va sur les côtés, on centre et on marque. Ok. J'ai rien dit. On continue, hein. On fait que centrer, hein, parce que on sert qu'à ça. On cherche même pas... Oh là là. Franchement, ce jeu, mais des fois, il se dit, mais Sam, mais pourquoi tu joues skill? Je te jure, des fois, on dirait, il y a EA, il dit, Sam, tu dois jouer sur les côtés. Ouh, je l'ai vu au fond. Oh là là. Vraiment dommage, là.
Vraiment dommage. Donc ouais, on va tenter aussi des frappes de loin, hein, parce qu'on en a pas mis pour l'instant. Bien joué Ramos. Allez. Bien joué, allez. Bon, c'était pas un but que je vais mettre dans une compilation, mais il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal. Bon, on a attendu la 37ème minute cette fois-ci. Hein. On a attendu la première mi-temps, ce qui est bien. Donc là, j'ai raté ce que je voulais faire, mais bon, c'était pas très grave. On a terminé sur un but, donc c'est plutôt pas mal. On va essayer de continuer hein, à proposer des bonnes actions comme ça. Y a pas un jour où on tombera contre un adversaire qui va pas passer sur les côtés. Franchement, je pense pas. Hein. Oh, la feinte. Elle était magnifique, la feinte de Cabella. C'était un petit peu chelou. Enfin bon, donc, à partout, on a mis un beau but avec Ben Arfa. C'était plutôt pas mal. Donc voilà, je sais pas si non, on domine pas. De toute façon, on s'en fiche un petit peu de dominer ou pas. On a marqué notre beau but, puis on va essayer de marquer un but quand même beaucoup mieux, hein, parce qu'on est là pour ça. On est là pour ça, tout simplement. Dommage. Ça aurait pu passer, ça aurait pu passer. Allez, Cabella. Ok, il a pas fait ce que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. On a dribblé tranquillement le gardien. Et on a mis une... En fait, j'ai fait une passe. j'ai voulu faire une... Un truc assez bien, regardez. Sauf que là, il a fait une passe... une passe juste pour le but, quoi, tout simplement. Enfin bon, c'est quand même un beau but, hein, on a dribblé le gardien. On avait déjà dribblé le gardien, je crois, dans un épisode, avec un fake dragback. Il continue. Oh là là, j'ai vraiment mal défendu là, j'ai vraiment très très mal défendu, je l'ai laissé passer. Il est passé tranquillement avec Juan Mata là. C'était de ma faute. Mais les trois quarts du temps, il passe sur les côtés quoi. Mais c'est une technique qui est super utilisée, les mecs ils comprennent pas en fait. Hein. Allez, siffle pas. Ibra il allait tout seul là, putain. Bon, il n'y a pas eu grand-chose. Vraiment pas eu grand-chose à part notre but. Et le but de notre adversaire. On a vraiment du mal à cadrer, c'est hallucinant. Hein. Hallucinant. On est vraiment nul. Bien joué, Pogba. Allez, laisse jouer. Laisse jouer, s'il te plaît. Merde. J'ai raté encore ce que je voulais faire, quoi, punaise. Pourquoi ça marche pas? C'est chiant. Bon, certes, là, il y avait Ibra, c'est normal. Au final, ça revient à un but de merde. Ah là là. Bon. On gagne 3 buts à 2. Bon, c'est pas un match super intéressant. Quelques actions qui sont assez jolies, mais au final, il n'y a pas grand-chose. On va essayer de bien jouer. Allez, Ribéry. Dernière action, ce serait bien. Voilà. Dommage. Ah, c'est dommage. Mais Ben Arfa, tu vas où, là? Sérieusement, quoi. Mais t'es hors-jeu, pourquoi tu t'énerves? T'es débile ou quoi? Bon, c'est fini. On a gagné, hein. Y a pas eu grand chose dans ce match, on a essayé de marquer des buts assez jolis, mais c'était un peu difficile, hein. Notre adversaire il savait très très bien défendre. Donc bon, en tout cas j'espère que vous aurez aimé cet épisode. Hein. Donc ouais, hein, franchement, y a pas grand chose à dire, hein. On a essayé de faire ce qu'on peut. Mais bon, espérons que dans les prochains épisodes on va essayer de marquer un plus de beaux buts. Hein. Le but de cette série c'est bien évidemment
de mettre des clips pour mes petites compilations. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cet épisode et cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode. Donc prenez soin de vous, n'oubliez pas de chausser vos crampons. Et nous, on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao les amis.